Bonjour à tous, une petite vidéo sur le remplissage instantané avec Excel. Donc dans cette dernière colonne, je vais mettre par exemple Madame Lavie-Éclair. Donc, j'ai mis Madame Claire Lavier parce qu'en fait, j'ai trois colonnes, la B, la C et la D, et je voudrais en faire plus qu'une. Donc, maintenant, je vais faire Données. Et ici, on a remplissage instantané. Et là, ça m'a mis tout ce qu'il y avait dans les colonnes B, C et D. Voilà, j'ai supprimé trois colonnes. Je peux insérer. Couper, par exemple. Et voilà. Des petites modifications. C'est tout pour cette vidéo.